Le gaspillage alimentaire est à présent un enjeu de politique publique sur laquelle s'est penché le conseil départemental de la Gironde lors des assises territoriales. C'est le coup de caméra du jour de Bastien Loquet et Alice Gobeau. Dans ce coup de caméra, nous sommes devant un buffet, mais un peu particulier. C'est un buffet zéro gaspillage. On va en parler dans un instant, à l'occasion des premières assises territoriales contre le gaspillage alimentaire organisées en Gironde. Il y a avec nous notamment Alissa Daou du CREPA, qui est une des chevilles ouvrières, on va dire, hein, de ce qui se passe aujourd'hui. Alors concrètement, de quoi on va parler et qu'est-ce que c'est que ce buffet, là, déjà, pour commencer? Alors, l'idée du buffet, c'était pour nous mettre dans le bain de la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'était de savoir comment est-ce qu'on peut réfléchir différemment. Proposer une alimentation avec un minimum de déchets de préparation et un minimum de déchets au moment de la distribution. Donc essayer de compter au plus juste pour limiter le gaspillage et les déchets d'une manière générale. En 2013, nous avons fondé un réseau qui s'appelle le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire, le Régal. Ce réseau a pour vocation de mettre autour de la table les différents acteurs de la filière. Étant donné que le gaspillage alimentaire, c'est un problème qui est complexe, qui se situe à plusieurs niveaux de la filière, en commençant par la production, la transformation, les transporteurs, la grande distribution, les consommateurs. Et l'idée, c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait décloisonner tout ça pour essayer de trouver des solutions collectives. On gaspille beaucoup, tout un chacun en fait. Hein, Alors, à l'échelle de toute la filière, en France, c'est 10 millions de tonnes de gaspillage par an. Donc, à travers un réseau comme le Régal, on essaie de trouver des solutions pour limiter le gaspillage. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, chez moi ? Eh bien, à la maison, vous pouvez faire tout un tas de choses. Déjà, limiter les courses compulsives en faisant sa liste de courses avant d'aller faire ses courses. Donc, je fais une liste bien comme il faut et je me contente d'acheter ce qui est marqué sur la liste. C'est ça, se contenter de ce qui est écrit. C'est pas toujours facile, hein, quand même. Pas toujours facile. Après, se creuser la tête un petit peu, essayer de trouver des solutions pour recuisiner ses restes. Il y a aussi l'idée de congeler systématiquement quand j'ai un produit qui arrive, un produit frais qui arrive à une date de péremption très rapidement. Il y a aussi les dates de péremption qui, elles, peuvent se dépasser. Et là, mine de rien, on peut faire de sacrées économies, entre 400 et 500 euros par an, hein, c'est ça? Le coût du gaspillage, on dit que c'est à peu près 100 euros par personne et par an. Cette fois, nous sommes passés de l'autre côté de ce buffet au rayon fromage, hein, pour faire simple avec Alain Renard. Le gaspillage alimentaire, c'est aussi une volonté politique. Que fait de cette question-là le Conseil départemental de Gironde? Vous savez, le département de la Gironde, comme tous les départements, a été touché, si je puis dire, par l'évolution des compétences. Mais il en reste deux qui sont totalement en lien avec la thématique d'aujourd'hui. La première, c'est que nous gérons tout ce qui est accueil des lycéens dans nos collèges. Donc à ce titre, nous assurons la restauration de ces collégiens. Et donc là déjà, au niveau de la restauration, vous faites le zéro gaspillage ou presque? Alors zéro gaspillage, c'est une formule. Zéro gaspillage, c'est aucun gaspillage de ce qui peut être évité d'être gaspillé. Donc quelle est la compétence au niveau des collèges? Une autre compétence, la solidarité? La solidarité. Là, je dirais qu'on va sur un contexte qui est, un certain nombre de nos concitoyens, on peut de revenus. Et c'est vrai que la solidarité, pour éviter de jeter ce qui peut être utilisé, quelque chose qui est important, et faire qu'on puisse les accompagner dans leurs besoins vitaux. Et justement, si vous avez envie, vous aussi, de participer à votre façon, à cette politique anti-gaspillage, le conseil départemental met à votre disposition des guides qui s'appellent les écomatismes, qui sont disponibles effectivement sur Internet. Par exemple, avec le carnet zéro gaspillage pour vous aider quotidiennement à gaspiller moins de nourriture avec quelques recettes. Donc c'est le petit coup de main du conseil départemental pour vous aider à mieux manger et puis à économiser ces 20 kilos. Hein, de... 20 kilos dont 7 kilos qui sont encore emballés de produits. 7 kilos encore emballés. Ouais. Ça veut dire finalement chargeons un peu moins le panier de commission, plutôt que la poche plastique d'ailleurs, et par là même nous chargerons encore moins la poche poubelle.